Bonjour, c'est Manuela, journaliste pour Boom. Aujourd'hui, on se retrouve dans un podcast pour parler de l'écriture inclusive. Également appelée écriture égalitaire, ce langage est une manière d'écrire qui se veut plus respectueuse de la place du féminin. Utilisation d'un point médian, féminisation des noms de métiers ou encore accord de proximité, cette manière d'écrire repose sur différents principes. Et depuis quelques années, ce sujet suscite une controverse, une écriture de lutte contre les stéréotypes sexistes pour certains et une déformation de la langue française pour d'autres. C'est pour cette raison que nous avons demandé l'avis de Blandine Perrona, maîtresse de conférences de langue et littérature française, qui souhaite s'exprimer non pas comme spécialiste de la question, mais en tant que personne concernée. Et l'avis de Mathieu Avenzi, maître de conférences en linguistique à la Sorbonne. Jean-Michel Blanquer a officiellement interdit l'utilisation de l'écriture inclusive dans le cadre de l'enseignement. Qu'en pensez-vous? Ce langage est-il un réel problème dans l'apprentissage? Alors, Jean-Michel Blanquer a fait publier, je ne sais pas si c'est lui qui l'a rédigé, mais il a fait publier effectivement une notice ou une circulaire sur la fameuse écriture inclusive. Et en fait, quand on observe cette circulaire, on voit qu'il n'interdit pas toutes les formes d'écriture inclusive, puisqu'il permet et il encourage d'ailleurs, et c'est ça qui est relativement plaisant du point de vue linguistique, c'est qu'il encourage un certain nombre de procédés qui existaient déjà dans la langue et qui ne modifient pas la langue et qui ne rendent pas la langue plus complexe qu'elle ne l'est déjà, notamment la question des doublés, etc. Ce qu'il interdit, c'est certaines formes d'écriture inclusive, les formes qui sont les plus problématiques, c'est-à-dire les formes avec les points médians ou avec les fusions de pronoms, ces formes qui ne respectent pas la structure, je dirais, naturelle. Évidemment, il faut toujours mettre des guillemets quand on utilise les mots comme naturel ou comme normal en langue, puisque qu'est-ce qui est naturel ou qu'est-ce qui est normal, disons, qui refuse un certain nombre de trucages qui ont été proposés ces dernières années pour rendre les textes plus inclusifs, mais également moins lisibles. Donc la circulaire est relativement bienvenue. Je pense qu'elle était nécessaire au même titre que celle du précédent Premier ministre qui avait proposé en 2017, parce qu'il était temps de faire un point sur cette notion. Et ce qui est encourageant, c'est qu'il donne un peu, il ne prend pas une position qui est complètement contre, mais il ne prend pas non plus une position qui est pour. Et je crois que c'est vraiment la solution qu'il fallait utiliser à ce moment-là, donc pour froisser personne, si on veut, même si finalement il froisse quand même des gens, des membres des deux côtés, disons que les très anti et les très pour, quoi. Je pense que mes enfants qui entendent autrice n'auront aucun problème avec autrice. Donc là encore, il y a certes l'école. Bon, bien sûr, moi je suis un produit de l'école et je continue. Enfin, je suis du côté de l'enseignement, donc c'est important pour moi. Mais il y a aussi l'usage et il ne faut pas que l'école et le monde soient en décalage. Et je crois que mes enfants n'auront aucun problème avec autrice. Et je serais très. Et en plus, ils ont eu des enseignantes. Mes enfants sont prêts à ce qu'il y ait plus de féminin dans la langue et je ne crois pas que ça bouleverse leur apprentissage. Un autre point peut-être par rapport au langage inclusif et au débat qu'il suscite plus généralement par rapport à la décision du ministre, c'est qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans l'histoire de la langue. Moi, je travaille au XVIe siècle et au XVIe siècle, c'est vraiment une période de liberté pour la langue, c'est-à-dire que la langue, je ne travaille pas au XVIe siècle, mais au XVIe siècle, vous avez bien compris, c'est un moment où on se dit, la langue doit être enrichie, donc on doit l'illustrer. Et donc, c'est une période d'inventivité assez magnifique et on amène des nouveaux mots et c'est un grand vent de liberté. Et puis après ça, il y a le XVIIe siècle qui dit on va mettre des règles et on va dire qu'il y a des mots qui sont bien et d'autres qui ne sont pas bien. Donc, de façon générale, en fait, ça me pose un peu question quand il y a tout d'un coup une autorité qui dit ça, c'est une façon de parler qui est bonne et ça, c'est une façon de parler qui ne l'est pas. Et donc, dans ce débat que j'ai regardé à nouveau, parce que en fait, cette écriture inclusive, on va plutôt l'exclusion de la possibilité de l'écriture inclusive, le XVIIe siècle a vraiment été un petit peu ravageur de ce point de vue-là, puisque c'est le moment où ceux qu'on appelle les remarqueurs, donc des spécialistes de grammaire, ont dit « il y a un genre plus noble que l'autre, c'est le genre masculin ». Et ensuite, ça va être formulé plus tardivement comme le fait que le masculin l'emporte. Mais c'est quand même des grammairiens qui, à un moment, ont justement considéré qu'ils avaient une autorité sur la langue pour dire « Attendez, cet accord de proximité, là, ça va pas du tout. Il y a un genre noble et il faut qu'on accorde avec le genre noble. » D'où vient cette autorité sur la langue, en fait? Pourquoi on va nous imposer une façon de parler et pourquoi c'est pas l'usage qui l'emporte? Donc, de la même façon... Et du coup, il y a une institution, bien sûr, qui représente ces espèces de façons de dire « il faut parler comme ça », ce qui est complètement, au fond, dément et
enfin, la langue est quelque chose de vivant, qui a son histoire, et que ce soit des institutions comme l'Académie qui dit « ça c'est bien, ça c'est pas bien », et puis un ministre qui va dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien », c'est quelque chose qui me paraît vraiment voilà, à l'opposé de la conception de la langue que moi j'imagine, c'est-à-dire que la société existe par les mots qu'elle veut se donner, et pour moi ça me paraît quelque chose d'inconcevable, et puis là politiquement douteux en fait, que tout d'un coup il y ait quelqu'un qui dise « eh ben voilà, c'est comme ça qu'il faut parler, c'est comme ça qu'il faut écrire ». Ce langage va-t-il vraiment changer les attitudes de chacun concernant l'égalitarisme ? Ce que je peux vous dire, c'est mon expérience personnelle. C'est-à-dire que moi, je peux vérifier ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai pris conscience avec cette... Alors, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que ça demande un gros effort. Par exemple, j'essaye de ne plus dire les étudiants. Enfin, je crois que je le dis rarement. C'est toujours les étudiantes et les étudiants. Et moi, dans mon rapport... avec le groupe qui est face à moi, ça a changé ma façon d'être avec les gens. Ça change radicalement les choses. Ça change radicalement les choses aussi avec avec mes collègues et en particulier. Enfin, donc je me suis rendu compte que, évidemment, comme tout le monde, parce que je suis dans cette société, je traitais pas forcément les étudiantes et les étudiants de la même façon. Le fait de toujours dire chères toutes, chères tous, etc. Enfin, je laisse une place, je laisse la place à mes étudiantes. Et de la même façon, en fait, je suis très sensible au fait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le féminin dans pas mal d'espaces. Et cette conscience, en fait, qui est liée à la langue, mais qui est une conscience générale, fait aussi, je pense, qu'un regard que j'avais sur moi-même et puis même un peu sur mes jeunes collègues chercheuses a été transformé par cette pratique où je fais attention à la place du féminin et dans la langue. Et comme je vous le disais, et dans la langue, c'est aussi dans la société. Je crois pas que l'écriture inclusive permette de changer les mentalités. D'ailleurs, vous avez tout un tas de femmes qui sont féministes et qui refusent l'écriture inclusive, ce qui est relativement également encourageant. Je crois pas que le changement de mentalité puisse se faire par la langue. Alors effectivement, le changement de mentalité a pu, la société a suivi quand il a fallu changer les noms de métiers, féminiser les noms de métiers parce que c'était utile, parce qu'on avait des dames qui étaient préfètes, qui devenaient mères, qui devenaient de plus en plus docteurs ou qui devenaient également en position de ministre, etc. Donc on a dû féminiser ces fonctions et on a une meilleure représentation des femmes aujourd'hui dans le monde, donc de tout ce qui touche au nom d'agent aujourd'hui, qu'on dise il et elle ou ils sont partis, je crois pas que ça va changer fondamentalement le nombre de féminicides qu'il y a dans la société actuelle. Je crois plutôt que ce qui va faire changer la représentation et qui va permettre une meilleure égalité, c'est effectivement que les femmes puissent accéder de la même façon que les hommes au poste à haute responsabilité, que les hommes à l'inverse puissent bénéficier de congés maternité, etc. Et donc qu'il y ait vraiment une représentation égale des gens dans la société, mais la représentation égale des gens, enfin des deux sexes ou des deux genres dans la société, ne passe pas forcément par la féminisation de la grammaire, tout simplement. L'article de Marianne, publié en septembre 2020, évoque dans son titre « Écriture excluante » qui s'impose par la propagande. Qu'en pensez-vous exactement ? Et comprenez-vous que l'écriture inclusive divise autant ? Alors, disons, il y a deux choses dans le titre de la tribune de Marianne. Donc, il y a effectivement le fait que c'est une écriture excluante. Elle est excluante pour plusieurs raisons. Alors, je ne vais pas citer les raisons traditionnelles qui sont l'exclusion des dyslexiques parce qu'on a encore peu d'études par rapport à ça. Mais elle est excluante parce qu'elle implique, de mon point de vue en tout cas, une connaissance très, très poussée des structures grammaticales du français. Donc, si vous voulez appliquer l'écriture inclusive à un texte long, hein, donc pas un tweet ou pas une pancarte ou pas un tag dans la rue, ça devient beaucoup plus difficile et l'écriture inclusive, de fait, va engendrer un certain nombre d'erreurs ou de fautes qu'on n'aurait pas eu si elle n'avait pas été utilisée. Donc, elle va générer ce qu'on appelle en sociolinguistique de l'insécurité linguistique. Donc, c'est la mauvaise maîtrise ou de certaines règles grammaticales déjà compliquées, comme l'accord du participe passé, qui vont être encore plus, encore moins maîtrisées, si vous voulez, parce que on ne sait pas les appliquer en temps normal. Donc, avec l'écriture inclusive, ça devient encore pire.
Il y a tout un tas de problèmes, notamment pour ces gens, enfin la plupart des personnes, si vous voulez, qui ne maîtrisent pas déjà certaines règles d'accord, simplement de personnes entre les différents, entre les temps, etc. Et donc, rajouter cette féminisation, ça va encore exclure un certain nombre d'usagers, d'utilisateurs de la langue qui ne l'étaient pas a priori. Maintenant, du point de vue de la propagande, il y a effectivement, comme beaucoup de phénomènes qui sont militants, l'écriture inclusive, c'est pas un processus, il me semble, qui est tout à fait naturel, c'est un processus qui est porté par une poignée de militants, notamment sur les réseaux sociaux, et le passage en force et la discussion qui se fait aujourd'hui autour de l'écriture inclusive vient beaucoup des réseaux sociaux, vient beaucoup d'un certain nombre de personnes qui s'opposent l'un par rapport à l'autre. Et puis là, une collègue vient de publier un article, donc un article vraiment scientifique sur l'utilisation de l'écriture inclusive dans les universités parisiennes, et elle montre bien que utiliser l'écriture inclusive ou ne pas l'utiliser, c'est revendiquer d'une certaine façon un certain bord politique. Donc aujourd'hui, tout chercheur est censé se positionner par rapport à cette question de l'écriture inclusive. Donc il y a effectivement une idée de propagande, et on ne peut plus être neutre, qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas d'ailleurs. Alors, je pense qu'il y a un véritable enjeu social, comme on disait, qui a quand même quelque chose de l'ordre de ce qui était un ordre établi, et que changer, ça fait toujours violence, en fait, et ça fait violence à l'ordre établi. Donc, quand on fait violence à l'ordre établi, eh bien, l'ordre établi réagit violemment. Mais il me semble que... voilà, donc quand on crie au danger, ça veut bien dire que c'est pas juste un petit enjeu formel, mais que là il y a un gros enjeu social et politique, et que oui, faire bouger les choses, ça se fait avec des réactions violentes, mais aussi une forme de négation. Enfin là, il y a eu un entretien. Il n'y a pas longtemps sur France Culture, qui, enfin, c'est fascinant cette réécriture pour dire, j'ai oublié qui c'était déjà, mais pour dire que finalement c'est toujours des hommes qui ont voté les nouveaux droits de la femme, que ce soit le droit de vote, etc. Sauf que là encore, c'était une façon de dire, de nier le fait que derrière il y avait le combat de femmes qui n'avaient pas la voix à la politique, mais qui se sont battues. Et donc oui, il y a une, alors. Quand je dis on fait violence, évidemment, enfin la plus forte violence, c'est la violence qui est exercée depuis longtemps contre les femmes, alors qu'il y a des formes plus ou moins douces, mais qui est quand même une façon, de les coincer dans les marges les moins confortables de la société, que ce soit les questions de salaire, que ce soit les accès aux postes. Si on revient à la langue, enfin voilà, on n'a jamais de problème avec employer le féminin caissière, comme c'était moi qui travaille aussi un peu sur les questions de médecine. Enfin, on dit une infirmière, on dit un médecin. Bah oui, changeons ça. Ça fait sans doute violence aux médecins bien installés qui ont eu l'habitude d'avoir des infirmières aux petits soins. Ça fait violence, mais la violence première, c'est bien la violence qui a été exercée sur les femmes. Donc, ces réactions ne m'étonnent pas, parce qu'il y a vraiment des gros enjeux. Mais il faut bien rappeler où a commencé la violence, en fait. Et que bouger une domination, ça se fait avec des réactions fortes, mais il faut remettre les choses dans l'ordre. Voilà, c'est de la libération par rapport à de l'oppression, et ça entraîne des réactions violentes, dont je ne suis pas surprise, mais il est temps que cette oppression, on n'a pas parlé des choses les plus fortes, mais que l'oppression sur les femmes cesse, et ça se fait pas sans... Ça se fait pas sans éclat, ça ne m'étonne absolument pas. Merci de nous avoir suivis pour ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.